bienvenue dans cette vidéo qui va traiter aujourd'hui d'un sujet technique, le gin, la technique du bois mort, sur un faux cyprès, Chamaï Cyparis Elwoodi Lawsoniana. La première étape, une fois que vous avez sélectionné la branche ou le tronc que vous avez destiné à transformer en gin, en bois mort, va être de retirer toutes les branches qu'il y a dessus en partant du bas vers le haut pour pouvoir plus facilement enlever l'écorce. Une fois que vous avez retiré les branches du tronc ou de la branche que vous avez sélectionnée, toutes les petites branches, il vous suffit de faire un contour à la base du tronc que vous avez sélectionné avec une lame coupante et vous vous rendrez compte très facilement en le faisant que vous atteignez le bois dur de l'arbre sous l'écorce. Une fois que le contour est fait, vous pouvez mettre un petit coup de lame sur l'écorce pour retirer un bout d'écorce, pas totalement, pas toute l'écorce, pour pouvoir ensuite retirer l'écorce à la main. C'est très comparable pour les anciens à l'époque où on avait des CD et on devait enlever l'emballage du CD, c'était une galère pas possible. Bon, ça revient un petit peu au même. En tout cas, sur les faux cyprès, c'est comme ça que ça marche. Donc vous retirez à la main l'écorce de la même manière que la coupe des branches en commençant du bas vers le haut. Et vous allez voir que c'est relativement facile de le faire à la main et d'écorcer du bas vers le haut. Une fois que la branche ou le tronc est totalement dénudé d'écorce et que vous n'avez que le bois dur, le cœur du bois, de la branche, vous coupez la base de la branche ou du tronc que vous avez sélectionné en fait avec une pince ou même carrément à la main sur le bois mort. Si le bois est déjà mort, à la main c'est cassant. Si le bois n'est pas mort, il est souple. Et dans ce cas-là, il vous faudra une pince pour éviter de faire une coupe trop nette avec un couteau ou un ciseau, ce qui serait absolument pas naturel. Donc faites-le de cette manière-là. Même si la base est mal faite, ça sera très très bien. Vous répétez l'opération sur les autres branches et comme vous pouvez le voir sur ce petit faux cyprès, j'ai décidé de transformer en gin la branche du milieu. Il y a trois départs de tronc à la base de ce petit arbre et j'ai sélectionné le tronc du milieu pour le transformer en gin. Il restera donc deux troncs de chaque côté, gauche et droite, qui pousseront et recouvriront une partie du gin et du tronc du milieu. Comme vous pouvez le voir, en fait, la technique pour enlever l'écorce à la main marche très très bien quand vous le faites, surtout sur ce petit cyprès. Ce qui est intéressant avec ce petit cyprès, c'est que ces petits Chamaï Cyparis Elwoodi, vous les trouvez partout et ça coûte vraiment pas cher. Ils sont entre 5 et 10 euros. Donc pour débuter et pour s'entraîner à la technique de gin, c'est plutôt pas mal en fait. Une fois que vous avez écorcé totalement la branche ou le tronc que vous avez sélectionné, vous utilisez une petite brosse pour enlever tous les filaments, les petits filaments ligneux qui sont sur le bois et pour nettoyer totalement le tronc. Il aura un aspect comme ça très blanc au départ. Ne vous étonnez pas si au bout de 48 heures il jaunit un petit peu, c'est tout à fait normal. On va le laisser tranquille pendant à peu près un an. On va le laisser se reposer pendant un an et l'année prochaine, on pourra procéder à l'application d'un produit, le liquide à gin sur le bois mort pour le blanchir. C'est un liquide qui est à base de sulfure de calcium qui donnera un aspect très blanc au bois mort et surtout qui enlèvera, qui évitera tout pourrissement du bois. Voilà, votre premier gin est maintenant terminé. Ce qui est pratique avec cette espèce de petit arbre, de petit faux cyprès, c'est que vous les trouvez un peu partout, même chez les fleuristes, chez le fleuriste du coin, et ça vous permettra de vous entraîner à cette technique de gin avant éventuellement de passer sur d'autres espèces, toujours des résineux, donc des genévriers ou d'autres espèces d'arbres qui se prêtent à cette technique de gin, technique de bois mort. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis pas quand, car je suis totalement incapable de vous le dire étant donné que je fais un peu les vidéos au feeling. Mais à bientôt quand même sur bonsaiculture.fr.